après un réveillon plus ou moins copieux et plus ou moins arrosé, quoi de mieux que la plage pour se relaxer? Une mer calme, une brise légère, Charlotte et Rémi ont choisi de prendre leur petit déjeuner sur le sable. Un petit jus d'ananas, des cookies, des pancakes et un peu de thon. Ah ouais, des rillettes de thon et des litchis. Plein de choses. Ici, beaucoup viennent en famille après un réveillon en petit comité, comme l'exige la situation sanitaire. On était à la possession avec des amis et du coup, on a mangé, on a fait un petit peu la fête et c'était super. Bon, nous, on était en petit comité, c'était prévu comme ça d'avance. Donc après, voilà, on est tous vaccinés, on a fait attention, on s'est pas fait la bise, on était dehors, donc tout s'est bien passé. Réveillon de Noël, très bien, avec un bébé de 2 mois, petit comité, parents, grands-parents, heureux. Voilà, et on respecte tous les gestes barrières. Et le lendemain, c'est plage, c'est merveilleux, avec le soleil. En famille et avec des amis, en respectant les gestes barrières, bien sûr. Alors. Eux ont passé la nuit de Noël dans l'avion. On n'a pas beaucoup dormi, mais on est content, d'être arrivé ici. Et ça change de la neige et du froid en Suisse. Donc on passe un vraiment bon Noël et on a passé un bon réveillon dans l'avion. Le pilote, il a fait des blagues. C'était sympa. Et après une dernière photo à sa mère Noël en maillot, il faut reprendre la route. Rémi reprend le travail cet après-midi.